Bon, on s'excuse, on a eu des soucis techniques avec la connexion, c'est ça aussi les aléas du direct. Donc on poursuit. J'étais en train de dire que au niveau de l'eau potable, je ne sais pas si vous avez suivi à quel moment ça s'est coupé pour la santé, mais au niveau de la santé, il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées qui ne sont pas effectives sur le terrain. Au niveau de l'eau potable, le chef de l'État a annoncé qu'il y a 20 000 pompes qui ont été réhabilitées en milieu rural. Mais moi, je pense qu'on aurait dû nous dire quelles sont les nouvelles pompes qu'on a construites en milieu rural, qu'on a installées en milieu rural. C'est bien de réhabiliter ce qui existait, mais maintenant, qu'est-ce qui a été mis en plus? Parce que l'eau potable, c'est aussi la santé. Et il y a un problème, un gros problème d'eau potable en Côte d'Ivoire. Non seulement tous les villages n'ont pas accès à l'eau potable, mais même en ville, à Abidjan ici, il y a des zones où les gens n'ont pas d'eau du tout. Il y a des zones où les gens ont de l'eau, mais c'est intermittent, c'est vraiment compliqué. Malgré ça, ils payent les factures. Mais bon, c'est tout ça aussi. Mais en tout cas, au niveau de l'eau potable, il y a problème. Ensuite, l'assainissement. Le sujet de l'assainissement est très important parce que la saison pluvieuse va commencer encore. Et on va encore assister à des inondations, tout simplement parce que pendant la saison sèche, on n'aura pas pris toutes les dispositions pour éviter que les canalisations de drainage des eaux pluviales soient ouvertes, soient libres, afin que l'eau puisse couler naturellement sans dégâts. Voilà. Et donc, c'est important que des mesures soient prises de façon préventive. Parce que tous les ans, c'est les mêmes choses. Il pleut et puis on dit il y a inondation. En temps, nous payons sur nos factures de seau d'ici une taxe de l'assainissement. Cette taxe-là, ça va où? C'est des milliards par mois qui sont versés. Et on joue avec la vie des populations. Ou bien ça plaît au gouvernement tous les ans d'aller dans les mêmes endroits là pour dire il y a quoi aux gens. Je ne comprends pas. Il y a des zones qui sont inconstructibles où des gens habitent. Tout ça là, c'est pendant la saison sèche, on règle ça. C'est pendant la saison sèche, on prend les dispositions pour curer les caniveaux, pour construire les ouvrages qu'il faut pour que les eaux pluviales puissent passer sans avoir de dégâts sur leur passage. Ça là, on a dit ça juste quand on est fatigué. Mais c'est tout ça là qui entre dans le fait qu'on dise qu'il ne faut pas s'installer dans l'autosatisfaction parce qu'il y a des problèmes qui sont récurrents qu'on n'est pas capable de régler de façon définitive. Et ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Même le fait qu'Abidjan soit engorgé avec les quartiers précaires, avec tout ça. Mais ça là, un jour, on va faire un direct spécialement sur le transfert de la capitale. Parce que dans les promesses démagogiques, là, on a dit en 2012 qu'on allait achever le transfert de la capitale. Mais au contraire, ça s'est arrêté. Et tout est concentré à Abidjan. Tout est concentré à Abidjan. Ça nous fatigue au niveau de la circulation parce qu'il y a une surpopulation. Au niveau des logements, les gens sont obligés d'habiter dans des logements précaires quand ils n'ont pas les moyens de s'offrir des logements décents. Et il y a beaucoup d'impact de tout ça là. Voilà. Donc, l'assainissement n'est pas optimal. Il y a aussi les logements sociaux. Les logements sociaux, là, depuis 2012, on a dit on va faire 150 000 logements sociaux de 2012 à 2020. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Au contraire, il y a eu mille et un problèmes. Au niveau des souscripteurs, on avait dit de façon démagogique qu'on allait prendre en compte les gens du secteur informel. Les gens ont fait leur cotisation sur le compte séquestre. Après arriver à la banque, on dit non, non, vous là, vous n'êtes pas dedans. Ça veut dire que avant de promettre aux populations que tout le monde aurait un toit, le gouvernement n'a même pas pris les dispositions pour protéger les souscripteurs. Parce que tous ceux qui ont souscrit là, la majorité réclame remboursement. Remboursement là même, c'est palable. Les opérateurs même qui ont été choisis aussi là, eux aussi, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui n'ont pas les capacités, et puis on leur a donné les marchés, on ne sait pas sur quelle base. Ceux qui ont les capacités là, ils ont eu aussi des problèmes sur le terrain. Parce que quand on donne le coût d'une maison, il faut tenir compte aussi du foncier. Et toutes les purges n'avaient pas été faites avant qu'on ne lance pompeusement le programme. Donc, il y a des opérateurs qui ont eu des problèmes sur le terrain. Ils ont dû régler ces problèmes-là. Ça a joué sur le coût des maisons. Après, c'est les souscripteurs qui payent encore. Donc, les logements sociaux aussi, là. On va faire aussi un direct spécialement sur les logements sociaux une autre fois. Mais c'est pour dire que, globalement, pour l'accès aux services sociaux de base, là, il y a un problème.
Et là encore, on a annoncé cette affaire de logements sociaux. On dit on va corriger ce qui n'allait pas. On espère que c'est vrai, on va suivre tout ça. Mais c'est pour tout ça aussi qu'on dit qu'il ne faut pas baigner dans l'autosatisfaction. Parce qu'il y a trop de problèmes sur le terrain. Voilà. La croissance économique, la fameuse croissance économique, on est toujours en moyenne à 8% et ceci et cela. Bon, ça c'est les chiffres des économistes. Nous là, on n'est pas économistes. On se rend compte qu'il y a deux choses. Que cette croissance économique là, elle n'est pas inclusive. Et qu'il n'y a pas de redistribution de cette croissance économique. C'est là que nous on vous attend. Nous les citoyens, nous le peuple là. C'est là on vous attend. Qu'est-ce que vous faites pour que cette fameuse croissance économique se ressente dans le panier de la ménagère? Donc ça nous ramène à la question de la vie chère qui va en grandissant et qui n'épargne rien. Il n'y a même pas un seul aspect de notre quotidien qui n'est pas touché par la vie chère. Sur ce point-là aussi, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'on en a trop parlé. Tout est cher, mais vraiment tout avec un grand T. Et on nous parle de croissance économique, on nous parle d'émergence, mais nous là, on ne le ressent pas dans notre quotidien. Le dernier point que nous allons aborder et qui a fait couler beaucoup de salive sur la toile, c'est la question des jeunes. On a dit que 2023, c'est l'année de la jeunesse. Mais en fait, cette affaire de croissance économique là, c'est lié à ça. Parce que les gens étaient là, croissance économique, ils ont mis l'accent sur les infrastructures pour se rendre compte que le social était à la traîne. Donc depuis 2019, on nous dit que c'est le social qu'on privilégie. 2019, année du social. Après, année de jeunesse, là, ça ne finit pas. Mais le problème là, c'est qu'il faut faire des études sur les réalités des citoyens avant de prendre certaines décisions. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle la prospective, c'est-à-dire qu'on analyse le contexte, on fait le diagnostic, on sort toutes les propositions et c'est à partir de là maintenant qu'on établit les politiques. On ne fait pas les choses comme ça, on ne parle pas dans le vide. On assoit ce qu'on fait sur des chiffres, sur les réalités. Donc, en ce qui concerne la jeunesse, le président a annoncé qu'il va donner 1 milliard. Par jour pour les jeunes. En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 28 180 000 habitants. Et selon le dernier recensement, la jeunesse représente 75%, donc environ 21 millions d'habitants. Mais sur ces 21 millions d'habitants, il se trouve qu'il y en a qui travaillent, d'autres peuvent ne pas être intéressés par l'entrepreneuriat. Le taux de chômage qui va aussi en grandissant, là, même si on le met à 50%, vous voyez que dans ces 21 millions de jeunes-là, il y a autour de 10 à 11 millions qui sont concernés par ce genre de mesures. Or, si on prend les 11 millions et qu'on considère que c'est eux tous qui sont intéressés par les projets, 1 milliard par jour, là, ça ne suffit pas. Parce que ça va faire 31 000 par mois, par an, pour chacun. On ne peut pas investir, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. À moins qu'on ne veuille vendre, tout le monde vendre des galettes au bord de la route. Donc, il y a un problème de disposition pour faire en sorte que ce genre de décision-là soit inclusive. Parce que, déjà sur le terrain, il y a des gens qui se plaignent, qu'ils ont déposé des projets à l'agence jeune, il n'y a pas eu de suite. Un ministre lui-même est venu s'asseoir à la télé pour dire qu'on a donné 890 millions à une seule personne pour investir. La personne ne veut pas rembourser. Et ça, on avait déjà parlé de ça. Si elle ne veut pas rembourser, c'est parce qu'elle sait avec qui elle a bouffé. Et justement, c'est ça le problème. Même les gens qui font des détournements, là, on vous dit qu'un DG a détourné des centaines de milliards. Et puis, il est là, il ne va pas en prison, rien. Donc, il y a une certaine... L'environnement même de toutes ces mesures-là n'est pas bon. On montre qu'il y a l'impunité pour certains, on montre qu'il y a une discrimination pour d'autres, on montre qu'on n'a pas pris toutes les mesures pour que ces projets-là soient inclusifs. Mais nous, ce qu'on va faire, le chef de l'État a parlé, on va le croire, on va prendre en compte ce qu'il a dit là. Mais en tant que ONG, en tant que société civile, notre rôle là, c'est aussi d'aider l'État hein, à faire ces choses. C'est pour ça que d'ailleurs, on passe notre temps à faire des propositions. On ne critique pas pour critiquer.
Nous, quand on critique, là, on fait des propositions. Donc, en ce qui concerne cette mesure de 1 milliard par jour, là, ce qu'on va dire, c'est que, un, le budget de souveraineté même du chef de l'État, là, c'est plus que ça. Ça, c'est un. Deux, ça ne suffit pas. Donc, comme ça ne suffit pas pour tous ceux qui sont au chômage, nous, on ne veut plus que des gens viennent nous voir pour dire on a déposé nos dossiers, on n'a pas pris. Bon, on n'était pas impliqué dans tout ça. Aujourd'hui, là, on décide qu'on va s'impliquer. On va s'impliquer comment? On va s'impliquer en approchant le ministère de la Jeunesse pour demander les 1 milliard par jour, là, qui sont ceux qui sont concernés de façon précise? C'est quelle tranche d'âge? C'est quel profil? Quelles sont les conditions d'accès à ces fonds-là? Et puis, nous, on va suivre les dossiers de certains jeunes. C'est pour cela qu'on va demander à partir d'aujourd'hui à des jeunes qui sont intéressés par ce projet-là de s'inscrire. Soit ils nous envoient un mail sur le mail de ACI Société Civile, gmail.com. On va écrire ça après sur une publication pour que vous puissiez avoir ça à portée de main. Soit vous allez appeler sur les numéros que nous allons vous donner. Vous allez donner votre nom, vous allez donner votre localité, vous allez donner votre âge, vous allez dire quel projet vous avez en vue et le montant global de ce projet-là. On va mettre ça dans une base de données en attendant de rencontrer le ministre de la Jeunesse ou un de ses collaborateurs pour avoir des détails sur les conditions d'accès à ce fonds-là. Et puis, on va suivre ensemble de sorte que demain, nous, on puisse dire effectivement, les jeunes ont eu accès à ce fonds-là. Voilà, on connaît des gens qu'on a suivis, qui travaillent aujourd'hui, qui sont installés. Donc, ne soyons pas pessimistes. Notre président est un grand économiste. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait en matière d'économie. Il dit qu'il va donner 1 milliard par jour. Nous, on va plaider même pour que ça monte à 10 milliards par jour parce que les milliards qu'on gaspille chez les sénateurs et dans bien d'autres institutions budgétivores, là, ça aurait pu servir à aider la majorité de la population, la jeunesse qui est à la fois le présent et l'avenir, à sécuriser leur vie, à avoir une vie décente. Donc, voilà pourquoi, quand j'annonçais mon direct, j'ai dit que j'avais une proposition alléchante à vous faire. C'est celle-là. Tous les jeunes qui sont intéressés par ces 1 milliard par jour, là, on va s'impliquer dans l'accès à ces fonds-là. Vous allez venir vous inscrire. Nous, on va prendre votre dossier selon la démarche que le ministère va nous donner là, pour aller déposer ça et puis suivre les dossiers là, pour voir si on va vous donner, si on ne va pas vous donner. Comme ça, nous, on pourra venir rendre compte au public pour dire, ah, cette fois-ci là, on s'est impliqué. Ce que les gens disent là, c'est faux, hein, ils ont donné. Ou bien c'est vrai, hein, ils n'ont pas donné. Nous tous là, on va constater ça. Donc vraiment, on voudrait encore dire merci au chef de l'État pour tout ce qui a déjà été fait de bien, mais dire que ce qui n'a pas encore été fait là, c'est ça qui dépasse ce qui a été fait. Les Ivoiriens souffrent, il y a la cherté de la vie, il y a beaucoup d'oppression de diverses formes. Tout ce qu'on vient de dire là, que vraiment le chef de l'État ait pitié de la population. Quand on gouverne un peuple, on doit l'aimer. Aimer les paysans en faisant en sorte qu'ils ne perdent pas leur terre. Aimer les jeunes en faisant en sorte qu'ensemble, nous puissions les aider à avoir accès à ces fonds-là pour mener une vie décente. Ça va réduire les migrations, ça va réduire la délinquance, ça va réduire beaucoup de problèmes dans la société. Nous aurons des citoyens de qualité. Je vous remercie. Excellente semaine à vous et à mardi prochain pour nos mardis habituels.